à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez l'esprit embrouillé en ce moment. Un yoga spécial concentration pour vous aujourd'hui, toujours avec Aurélie. Bonjour. Alors, je vous propose de commencer en position assise, simplement pour encore se reconnecter au souffle, à la respiration, à l'esprit calme. C'est lié à un corps qui respire. Et cette capacité donc d'être en lien, conscient de chaque respiration, de chaque inspire, de chaque expire. D'abord, mettez le corps en position de recevoir et de donner aussi. Chaque inspire est une réception, chaque expire est un don. C'est une façon de voir les choses aussi. Mais cherchez donc à redresser le corps, un corps voûté, un corps qui respire mal. Il ne s'agit pas de surétendre, de bomber le torse, ou, voilà, de creuser le dos, non, juste d'allonger, d'étirer vers le ciel et de garder d'espace dans l'arrière du corps, dans l'avant du corps. La position assise simple est difficile à tenir, encore surélever le bassin avec un coussin. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise, bien entendu. Allez, restez quelques instants. De manière vraiment à bien sentir cette respiration, tant dans le ventre, dans les côtes et dans le haut de la poitrine. Alors, nous sommes tous différents. Chez certaines personnes, la sensation va être plus présente dans le bas du corps, chez d'autres dans le haut du corps. Mais je vous invite à prendre le temps nécessaire à ce que vous puissiez la sentir dans les trois étages. Donc le ventre qui bouge à chaque inspire, à chaque expire, les côtes qui s'ouvrent et se resserrent, et le haut de la poitrine qui monte et qui descend à l'expiration. Et ensuite, nous pourrons nous redresser en passant par l'étape centrale. On prend position à quatre pattes. Déjà là, vous allez vous concentrer de manière simple sur chaque partie du corps. Simplement étirer la jambe droite très loin vers l'arrière. Donc vous pouvez poser les orteils gauche au sol ou pas. Mais juste faites attention à ne pas relâcher le bas du dos. Gardez bien le nombril en direction de la colonne. Soutenez le bassin. Et puis vous allez aussi chercher à lever le bras gauche. Et restez conscient de ce qui se passe dans le centre du corps. Une colonne qui reste allongée, grande et reposée. Main gauche en dessous de l'épaule gauche. La jambe droite. Et on va grandir la jambe gauche. Très loin vers l'arrière. Imaginez qu'on vous tire la jambe vers l'arrière. Et on va grandir le bras droit. Comme dans le chien tête en bas, faites attention à la main qui est posée au sol. On a toujours ce réflexe d'appuyer sur le poignet. Vous avez une paume de main, vous avez des doigts, vous pouvez tout utiliser pour poser et vous appuyer. Allez, on repose. Et on va ensuite se redresser, chien tête en bas, et position debout. Ensuite, marchez en direction des doigts, expirez, relâchez la tête vers le sol, gardez les fesses hautes, inspirez, redressez, relâchez les bras le long du corps. Position simple de stabilité, de concentration, que tout le monde connaît, la posture de l'arbre. Je vais commencer sur le pied gauche. Déjà la sensation que tout le corps grandit. Vous pouvez visualiser les grandes racines en dessous des pieds. Racines fortes, solides. Et placez le pied droit. Ensuite, contre la jambe gauche.
sans relâcher la tension. Dans le bas du dos, dans le sommet du crâne qui continue de monter. Vous pouvez placer les mains devant le corps, relâchez bien les épaules. Donc voilà, en gardant les orteils droits au sol, c'est assez simple à réaliser, tout le monde peut le faire. Si vous pouvez vous monter de suite un peu plus, vous pouvez même vous aider de la main. Donc vous pouvez aussi poser la main gauche sur un mur ou sur une chaise à côté de vous et fixer un point droit devant vous. Restez connecté à la respiration, à cette jambe gauche qui s'allonge. Voilà. Et je vais changer de jambe. Posez le pied droit, pareil, concentrez-vous sur vos appuis. Vous pouvez rester avec les orteils gauche au sol ou directement monter la jambe. Évitez juste de trop presser sur l'articulation au niveau donc, du genou. Allez, pour une posture stable, concentrez-vous sur vos appuis. Donc chacun des orteils dans le talon et le genou. Gauche part complètement vers l'extérieur. Voilà une des multiples postures de concentration debout. Vous en avez donc beaucoup d'autres. Une que j'aime beaucoup. Je vais vous la montrer. Posez le pied droit cette fois sur la cuisse. Gauche. Si vous pouvez. Sinon, reprenez simplement la posture de l'arbre. Vous pouvez très bien rester comme ceci ou tenir même le pied avec la main gauche. Les personnes les plus souples vont aller attraper le gros orteil en passant la main droite derrière le dos. Encore là, vous restez concentré sur tout ce qui se passe dans le pied gauche. Une jambe gauche tendue, forte, stable. Et puis ensuite, à l'expiration, on va même chercher à aller poser la main gauche ou les deux mains si jamais vous aviez les deux mains disponibles. Voilà, là c'est vraiment libre à chacun, tout est possible. Voilà, vous pouvez aller poser les mains au sol. Si le sol est trop loin, n'hésitez pas à utiliser un support qui pourra être une brique ou un gros livre. Et vous allez réaliser la même posture, bien sûr, sur le pied droit. Prenez le temps de vous installer, le pied sur la cuisse. Vous pouvez garder le pied dans la main droite. Vous pouvez encore attraper le pied, qui nécessite d'avoir quand même le pied bien haut au niveau de la hanche. Inspiration. Expiration. Relâchez bien la tête et redressez. Vous pouvez plier la jambe de terre pour remonter et redescendre. Et nous allons retrouver le sol maintenant. Inspirez, créez l'ouverture, expirez, fermez, posez les doigts au sol et retrouvez une planche dynamique. Si la planche est difficile pour vous, reprenez la posture sur les genoux qu'on a vu au tout début. Et on va lever la jambe droite. Restez, respirez, maintenez le nombril vers la colonne. Et si vous pouvez, concentrez-vous de manière à pouvoir lever la main gauche. Et on repose. Levez la jambe gauche, ensuite respirez, puis levez la main droite. Bien, allez, expire. Chien tête en bas. Pliez les jambes. Venez vous asseoir sur le sol. Et on va attraper les pieds. Ensuite, redressez à partir du bas du dos.
et cherchez à vous lever. Redressez, levez un peu les pieds. Et là, pareil, vous fixez un point devant vous, relâchez les épaules. Vous pouvez vous amuser, allonger les jambes si vous êtes bien souple, vous levez une jambe après l'autre. Encore une posture que j'aime beaucoup. On va retrouver le chien tête en bas. Et lever la jambe droite très très haut. On va la plier ensuite. Décaler un peu la main droite vers le centre pour bien stabiliser le corps. Et ensuite, pour vérifier si vous êtes bien concentré, vous allez pouvoir chercher à toucher le pied droit avec la main gauche. Même l'attraper complètement, pourquoi pas. Voilà. Ou refaites la posture sur les genoux comme on a fait tout à l'heure. Et puis, vous pourrez faire ensuite la posture en levant le pied gauche et attraper le pied avec la main droite. Et voilà. Merci.